Bonsoir à toutes et à tous, c'est Tuto Pratix. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel surprise parce que pour remercier mes abonnés, voilà, j'ai eu quand même 600 et quelques abonnés, hein, plus que 235. Plus que 335, excusez-moi. J'en ai je crois 336. Donc je vous remercie beaucoup. Et voilà, continuez comme ça, voilà. Deuxième point, je suis désolée de vous annoncer que je ne ferai plus de tutoriels, ou peut-être beaucoup moins, de tutoriels pour les téléchargements illégaux. Voilà, donc je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, voilà, deux strikes. Hein, et ma chaîne sera supprimée. Donc voilà, donc je ne ferai pratiquement plus de conneries. J'attendrai 6 mois. Voilà, parce qu'au bout de 6 mois, il y a les strikes qui s'enlèvent. Donc je ne comprends pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer au tutoriel. Le tutoriel donc consiste à réinstaller Adobe Download Assistant. Parce que maintenant, comme vous pouvez le constater, on peut juste installer des logiciels Adobe avec Creative Cloud ou Creative Cloud ou Creative Commons. Enfin voilà, ou Adobe Manager. Enfin voilà, c'est pas. Voilà. Donc, j'ai trouvé qu'un moyen. Donc, c'est d'écrire télécharger. Voilà, Adobe Photoshop. Donc là, c'est un raccourci, on va dire. On va contourner l'installation sur le site d'Adobe pour installer enfin. Adobe Download Assistant. Donc là il suffit de cliquer sur télécharger. Voilà. Ici vous aurez le chargement. Quand il est terminé, vous cliquez dessus. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà. Ensuite ils vont vous mettre une petite fenêtre en haut à gauche de votre écran. Et ils vont vous dire qu'Adobe Download Assistant s'installe. Alors ensuite, soit il s'installe automatiquement, ou soit vous devrez double-cliquer sur votre bureau. Voilà. Et ensuite, il vous suffit d'accepter les conditions et tout ça. Et puis après, vous vous connectez et vous pouvez télécharger des logiciels Adobe. Voilà dans ce tutoriel. J'espère que vous avez été pratique. Commentez cette vidéo si vous avez aimé. Hein. Likez aussi la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes vidéos. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et que je continue à vous plaire autant, même sans les téléchargements illégaux. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à plus dans un prochain tutoriel.